Bonjour à tous, c'est GLG et je vous souhaite la bienvenue à cette nouvelle vidéo. Aujourd'hui, on va parler de mon enceinte Bluetooth préférée. Alors, on va remettre un peu de contexte. Quand j'étais en zone franche, voilà, je prenais l'avion, puis j'étais en zone dédouanée, puis je vois au loin cette enceinte et tout, puis voilà, je regarde, puis je me dis, ouais, bah comme tout bon haineux qui se respecte, je me fais, ouais, encore une copie de la Debialet Phantom 2 à 50 balles. Bon, je regarde le prix, 299$ quand même, je me suis dit, ah ouais, je la pèse et je me dis, ah, quand même, elle est quand même plutôt lourde. Et elle est quand même pas donnée, donc je demande à l'écouter. Bilan, je l'ai acheté. Allez, pour cette mini-vidéo, je propose le contenu de la boîte. Dans la boîte, on avait notre enceinte, ok, un câble USB vers USB type C. On aura également une sangle qu'on peut mettre au-dessus, ce qu'on appelle une attache en cuir de vachette, s'il te plaît. Et on aura également, alors c'est la grosse découverte, un trépied avec trois niveaux. En fait, t'as des barres que tu pourras visser, tu pourras mettre l'enceinte sur ses pieds, encore une fois, jusqu'à 65 cm de haut, ce qui donne un effet incroyable à l'intérieur. Ou alors, tu pourras la mettre, bah, tu peux mettre un pied, ou deux pieds, ou trois pieds. En fait, tu pourras ajuster un petit peu la taille. En plus, le support, il est aimanté et tout. C'est déjà un des trucs qui m'a convaincu. Bon, alors, parlons un petit peu de l'enceinte. Déjà, elle est super quali avec sa finition un peu, qu'on appelle piano laqué et tout. Je la trouve plutôt jolie. La dimension du boîtier, 185 mm. Donc, ça fait une petite balle de baseball, par exemple. Non, de baseball, non, de basket, de handball, voilà. Et le poids, bon, 2,5 kg. Tu te dis, ah ouais, il y a de la qualité. Allez, comment un petit peu l'enceinte. À l'arrière, on aura une écoutille qui laisse apparaître. Alors, elle est très quali, l'écoutille, étonnamment. Une prise USB type C et une prise jack in, voilà, pour mettre de l'entrée auxiliaire. On aura aimé également, elle a une batterie intégrée. Oui, avec jusqu'à 20 heures d'autonomie. C'est-à-dire que tu vas pouvoir l'emmener avec toi, avec sa petite poignée, ça c'est bien. Au-dessus de l'enceinte, on aura également un bouton qui est rotatif pour augmenter le son de volume, et One Touch, voilà, pour mettre play, pause, chanson d'avant, chanson d'après, encore une fois, t'appuieras dessus. En plus, il est lumineux, ça veut dire ben, en blanc quand il est alimenté, en rouge quand tu le recharges et tout. Bon, au niveau de la conception, ça ressemble fortement à ce qu'on a vu un petit peu chez Debialet. À l'avant, on aura donc un médium aigu, et sur le côté, deux méga woofers, et tu vas voir. Allez, quand on prend un petit peu la fiche produit, on annonce une scène sonore à 360 degrés. Ok, alors là, le plus grand aimant de woofer fait 90 mm, donc parmi les enceintes Bluetooth, qui a bah, le plus gros woofer sur le marché, c'est pas mal. Une résonance interminimalisée avec une qualité sonore claire, ok. Deux radiateurs passifs et un woofer conçu sur mesure pour des basses puissances à n'importe quel volume. Alors apparemment, j'ai pas bien compris, mais j'ai l'impression qu'il n'y a qu'un woofer à l'intérieur et qu'on a deux haut-parleurs passifs. Voilà, ce qui serait un peu différent de ce qu'on peut voir chez les autres. Donc on aurait vraiment deux haut-parleurs, ce qui permettrait d'avoir une enceinte de voix. Elle est Bluetooth 5.3 et elle est IPX5, c'est-à-dire que tu peux l'emmener à côté de la piscine, elle est splash-proof, on dira. Car oui, il nous annonce un woofer de 4,5 pouces avec le plus grand aimant de 90 mm de sa catégorie, enfermé dans une sphère conçue pour emmener dans une scène sonore et des basses résonnant sur tout votre corps. Donc on aura bien un médium aigu à l'avant et un woofer à l'intérieur qui tape un petit peu voilà, sur les côtés avec un... On a fait un basse... comment ils appellent ça? Ils appellent ça des woofers passifs, mais en même temps, quand on voit ce que ça envoie, pas si passif que ça. Alors, retournons sur la fiche technique, voilà, ça s'appelle des radiateurs passifs. Ça ne fait pas chauffage du tout. Le con de base. Non, mais voilà, il y a un woofer, avec, donc t'as une chambre close, et t'as les woofers en mode passif qui résonnent de ce côté. Bon, ça donne un effet visuel qui est exceptionnel, et ça donne des passes qui sont folles. Voilà, et l'enceinte, bah, on va en parler tout de suite. Car oui, techniquement, ils annoncent, comme l'air circulant dans un turbocompresseur, ressentez les basses à travers votre ADN grâce à deux radiateurs passifs stratégiquement placés pour pomper l'air à travers une sphère renvoyant la musique dans les colonnes vertébrales. Notre Dieu, tout ça, voilà. Bon, ce qu'on peut être intéressant, ce qu'on peut noter, nous, dans les chiffres, 20 heures d'autonomie, encore une fois, elle est sur batterie, rechargeable en USB type C. Ok, donc ça c'est bien. Temps de charge de la batterie entre 5 et 8 heures. Alors il y a juste le câble, il faudra que tu trouves le charger. Temps de lecture jusqu'à 20 heures de lecture uniquement sur batterie. Ça c'est vraiment trop bien. Capacité de la batterie 4 fois 2500 mAh. Ah ouais, en même temps ça envoie un petit peu des watts. Tension de charge de 5 à 12 volts et il faudra au moins un chargeur de 2 ampères. Bon, pour ceux qui voudront aller plus loin, vous pouvez également avoir une application qui permet un peu de paramétrer l'enceinte et tout. Bon, moi, j'ai pas trouvé encore d'intérêt. Elle est réglée, on arrête de les basses, pas mettre beaucoup plus de basses. Il n'y a pas d'intérêt, parce qu'elle est déjà quand même plutôt violente. Après, voilà, si vous voulez ajuster un petit peu les médiums et aigus en fonction de votre oreille, vous pourrez le faire via l'application. Pour moi, ça.
Allez, c'est vrai quand on voit dans la technique qu'ils nous annoncent haut-parleur, ils annoncent bien un haut-parleur de base de 4,5 pouces et un tweeter de 1,5 pouces. Donc il n'y aura vraiment que deux haut-parleurs et les radiateurs passifs sur le côté, puisqu'ils annoncent radiateur passif de puissance 40 watts plus 20 watts, 40 watts pour les basses et 20 watts pour les médiums aigus, 93 décibels de sensibilité et une gamme de fréquence de 40 Hz à 20 kHz, ce qui paraît cohérent. Et là, tu vas me dire, oui, mais même si je veux de la stéréo, parce que c'est mono, bah t'en mets deux. On verra que, du coup, voilà, t'en peux mettre une à gauche et une à droite pour avoir de la stéréo. Là, ça va commencer à envoyer un petit peu du steak. Bon, ils sont bien évidemment TWS True Wireless Stéréo. Voilà, encore une fois, faible latence, 75 millisecondes, je sais pas pourquoi, Bluetooth 5.3, IPX5. Au niveau des formats, elle supporte le MP3, le WMA, le WAV, le FLAC, le APE et le AAC, pour ceux qui voudraient éventuellement de la musique avec une clé en USB type C, ou envoyer directement depuis votre smartphone, parce que, ah oui, mais c'est en Bluetooth tout ça, mais on a quand même la prise d'entrée 3,5 mm, ou USB type C, ah, c'est quand même plutôt bien. Bon, vous allez me dire, et votre frère, il en pense quoi? Non, et Joachim Karud, il en pense quoi? Bon, je vous mets un peu de la musique, comme ça, pour que tu puisses un peu voir comment ça envoie et comment ça débat, et si le micro rendra pas hommage à l'enceinte, je peux t'avouer que quand même c'est pas mal. Bon, et en plus, un des gros points forts, c'est qu'elle est multi-room. C'est-à-dire qu'il suffit de la prendre par la poignée, comme elle est sur batterie, tu l'emmènes multi-room. Tu vas dans la salle de bain, en plus, elle est PX5, tu l'emmènes au bord de la piscine, hop, tu l'emmènes avec toi. Pas besoin de connectivité, de câble, de machin. Prends ton enceinte avec toi, t'es tranquille, et ton téléphone en Bluetooth ou une clé USB. On dira la configuration préférée. Une des questions qui doit vous brûler les lèvres depuis le début, c'est que vous dites, oui, mais alors deux Bialef Phantom 2, c'est à peu près la même système, voilà, le truc à l'avant, les deux sur le côté. Copie ou pas copie? Alors du coup, j'aurais demandé à ChatGPT, parce que j'étais pas sûr, je vraiment voulais savoir s'il y avait un brevet et tout, pas moyen de trouver les informations. Alors, il nous annonce, parce que ChatGPT connaissait les enceintes UB+, DB1, double basse, Bluetooth et les enceintes de Bialef partagent des similitudes en termes de qualité audio élevée et un design innovant, mais elles ne reposent pas du tout sur les mêmes technologies ni les mêmes brevets. Le Valais est connu pour ses technologies uniques, telles que la technologie d'amplification analogique digital hybride ADH et la technologie Hyper Bass Implosion HBI, qui sont propriétaires et qui se distinguent ses produits sur le marché audio haut de gamme. En revanche, la DB1 double basse utilise son propre ensemble de technologies et de conceptions qui lui permettent de produire des basses puissantes et un son clair. Ce qu'on a vu un peu avec les basses et le système de radiateur. Enfin, il n'y a qu'un woofer, un radiateur. Bien que les deux puissent offrir des designs sphériques qui améliorent la qualité sonore, les principes sous-jacents de la technologie, l'ingénierie du son et les spécificités du brevet diffèrent considérablement entre les deux marques. Voilà. Ainsi, bien qu'elles puissent sembler similaires aux consommateurs en raison de leur son haute fidélité et de leur forme unique, les bases technologiques et les paysages des brevets de chaque marque sont complètement distincts. Donc c'est assez rassurant, voilà, je me suis dit, on a l'impression, ça va être, non, c'est pas vraiment une vraie marque, mais ça, on a l'impression que c'est la même chose, mais c'est pas fait pareil, c'est pas les mêmes brevets, c'est pas les mêmes bases et tout, mais le résultat est quand même un petit peu là. Bon, un des seuls défauts que je pourrais lui reprocher, c'est le, je vais pas dire le manque de puissance, mais elle ne fait que 40 watts de base plus 20 watts. On arrive vite à la limite du truc. C'est fort, c'est puissant, mais on aurait voulu aller plus que ça. Alors c'est bien, c'est que même quand on l'a vu fort, déjà on se rend compte qu'il y a des basses de fou, il y a un bon son et tout, ça ne sature pas même à très haut volume, mais on aurait voulu aller au-delà de ces 40 plus 20 watts. Bah malheureusement non. Par contre, on peut y aller sur batterie. Car oui, pour moi, c'est un vrai mode love. 1, elle est puissante. 2, elle est belle. Elle est transportable avec sa petite poignée et tout. C'est vraiment le gros intérêt de pouvoir dire je peux l'emmener avec moi, il y a quand même 10 000 mAh de batterie à l'intérieur. Et quand tu la mets en route, il y a indéniablement un effet waouh. Ou quand tu la mets, tu fais waouh. Alors bien évidemment, on fait la comparaison avec la 2 Bialef Phantom 2, on en parlera juste après. Mais voilà, il y a un effet waouh qui est indéniable. On se dit waouh, le son que ça envoie dans une toute petite boule comme ça de handball,
J'ai trouvé le mot. Y a vraiment, là, il y a vraiment le truc où. Car oui, si la comparaison est faite avec la Devialet Phantom 2, que j'ai regardé moi aussi sur Internet, que je regardais. Bon, la Devialet Phantom 2, en fonction des prix et des promotions, on est entre 950 balles et 1300 balles. Voilà. Bon, après, ça envoie un peu plus de watts. Oui, car entre 1000 et 1300 balles, t'as quand même 350 watts RMS pour l'enceinte Devialet. Alors que nous, notre petite enceinte comme ça, elle ne fait certes que 60 watts, mais elle ne fait que 299 $. Encore une fois, si vous prenez le prix américain, si vous allez sur le site de Amazon, elle fait 339 €. Donc 339 €, si on prend le, qu'on compare par exemple avec le Devialet, tu peux en acheter 3, s'il y a des promos de Devialet, voire 4. Voilà. Et là, t'as de la stéréo. Là, t'en mets 4 dans la pièce, par contre, tu les appelles entre. T'arrives au niveau de la puissance, quelque chose de sympa, et au moins t'as de la stéréo. Donc, il faut vraiment savoir qu'est-ce qu'on veut. Soit, bah, on veut du Devialet, et on est prêt à mettre entre 1000 et 1300 balles, 350 watts, t'as tout de tout, mais l'enceinte, elle est pas vraiment transportable. Soit t'as un truc un peu plus compact, comme j'ai mis dans le titre, une mini Devialet, et elle ne fait que 300 balles, 260 € hors taxe, en version Free Zone Taxe Aéroport, nanana. Moi, j'étais sur pour 260 balles. Franchement, c'était de la balle. Voilà. Et on se dit, bon, elle fait que 60 watts, mais il y a un effet wah, elle est transportable, le son, il est vraiment d'enfer. Et visuellement, c'est déjà magnifique. Donc, il faut juste savoir ce qu'on veut et combien on veut y mettre. Si t'as le budget, prends deux Devialet, achète-en 2, 4, 6, vas-y, c'est la fête. Si t'as un peu moins de budget comme moi et que tu te dis, oui, alors l'autre, elle est bien, mais quand même 1000 balles, là, 300 balles, au pire. Manque de puissance, bah du coup j'en mets une deuxième. Bah, quelque part, mine de retour, on passe de 60 watts à 120 watts. Et ben ça ne fait que 600 balles, soit la moitié du prix de Devialet. Alors on n'est pas sur du Devialet, encore une fois, mais on est sur un produit portable, machin et tout. Je suis impatient d'avoir vos commentaires. Allez, bim, 339 € sur Amazon, t'en penses quoi? Est-ce que pour toi, comme moi, c'est un mode love? Est-ce que pour toi, non, tu préfères mettre plus cher ou acheter plutôt un autre produit? C'est vraiment un compromis entre du bon son et un produit qui est esthétique à la maison, avec ses pieds de 65 cm et tout. Il y a vraiment moyen de faire quelque chose de super sympa. Tu mets un pouce en l'air ou un pouce en bas en dessous de ces vidéos en fonction si tu as aimé ou pas cette enceinte. Tu mets un petit commentaire pour dire ce que tu penses de cette UB+ DB. Alors DB, ça veut dire double basse. Double basse. Ce qui n'est pas vraiment vrai, c'est une basse, mais deux radiateurs. Je n'ai pas huilé le radiateur, hein. Non. Con comme ses pieds. T'oublie pas de t'abonner en cliquant là-bas à droite sur mon logo. Je vous donne rendez-vous samedi pour la prochaine mini-review. On va alterner des produits Rush. Hier, je suis un peu... J'essaie de parler jeune pour me donner une deuxième jeunesse. Des Rush, des produits chers et des produits moins chers, des produits un peu loufoques. J'ai plein de produits qui vont arriver. Vous allez en bouffer deux fois par semaine. Il y a des trucs que vous n'attendez même pas. Je n'attendais pas non plus, mais pourtant qui vont arriver. Vous allez voir, il y a vraiment du... C'est pas cher. Il va vraiment y avoir du... Tu verras ça, tu t'abonnes. Allez, bonne journée à tous. Prenez soin de vous, prenez soin de vos proches. Gardez le moral. Restez ouvert. Et rendez-vous samedi. Même si je sais que c'est un long week-end, le 8 mai, tout ça, tout ça. Bye bye. Oh, 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 oh